Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet sur les outils de toupie avec un autre profil contre profil. La dernière fois, je vous ai fait un profil contre profil sur des fers séparés. Je vous ai dit que c'était le plus simple des profils contre profil et je vous avais pas menti. Sauf que celui-ci, avec les deux profils sur le même fer, eh bien, il n'est pas plus compliqué. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un tuto sur la sécurité, etc. et que je rappelle à chaque fois les consignes de sécurité. Mais le plus important, c'est de se référer au manuel de votre machine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion et une petite annonce. Allez, bonne vidéo. Alors, voici le profil contre profil que nous allons faire aujourd'hui. Vous avez un premier profil ici et vous avez le second profil là. Et en fait, ces deux viennent s'emboîter. Donc là, on en a un, là, on en a un autre. Et ils viennent s'emboîter comme ça, l'un dans l'autre. Maintenant, quelque chose de simple pour le réglage. Je vais vous montrer après sur la toupie directement, mais je vous l'explique ici. Ici, nous avons un premier profil, son centre étant le centre de ce fer ici. Le deuxième profil, son centre, eh bien, c'est dans le coche qui est là. Donc, ce que je fais personnellement, quand je dois regarder pour un profil contre profil, pour celui-ci, je vais m'aligner sur cette arête-là, donc celle-ci, et celle-ci, puisqu'elles sont décalées d'autant que le centre ici et le centre là. Donc, je mesure d'ici à ici, et nous avons 19 mm. Maintenant, je le monte dans le portefer. Alors, je vais mettre mon outil à l'intérieur. Je me suis mis mon lot de bacs de copiage qui correspond pile poil à la différence entre les deux profils. Je vais mettre mon lot de bagues en premier. Comme ça, je vais usiner avec une partie de mon fer pour avoir un premier profil. Quand j'ai fini, je sors ça. Je sors ce lot de bagues-là. Je remets mon outil. Et là, je serai à la bonne hauteur en remettant ça par-dessus. Je vous montre. Alors, là, vous voyez bien. Ici, je suis parfaitement centré. Les deux pointes sont sur la face du dessus et la face du dessous. Donc là, je suis parfaitement centré. Si je viens retirer... Attendez. Je retire mon lot de bagues qui correspond à la différence entre mes deux profils. Je remets mon outil. Là, je me retrouve parfaitement centré avec l'autre profil. Vous voyez ? C'est ce qui fait que le réglage est extrêmement simple. Je retire, je remets les bagues qui correspondent à la différence entre les deux profils. J'en ai fait une, bien sûr, une mini. Voilà. Je remets mes bagues, je remets mon porte-outil. Et là, je me retrouve de nouveau parfaitement centré. Et c'est valable pour tous les fers à profil contre profil, il me semble. Enfin, on le vérifiera si c'est vrai quand on utilisera d'autres fers à profil contre profil. J'ai différentes centures, par exemple pour le collage, où on pourra vérifier si ça fonctionne. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Je monte, je fixe et on teste. C'est parti. Alors, comme là, j'ai pas de traverse intermédiaire, je vais commencer par usiner la partie femelle dans mon bois. Oui, je sais, normalement c'est l'inverse. C'est l'inverse si on avait des traverses intermédiaires. Là, comme il n'y a pas de traverse intermédiaire, honnêtement, il n'y a pas d'importance puisque mon bois aura toujours une face contre le pare-éclat et une face pleine, donc il n'aura pas été usiné. Ça veut dire que je n'aurai pas d'arrachement en sortie. Si j'avais eu des traverses intermédiaires, je ne peux pas faire les usinages de chaque côté. Parce que si je fais l'usinage en bout, ma moulure ici ne sera pas en contact avec le pare-éclat et j'aurai de l'arrachement. On allume l'aspiration, on met ses protections auditives, les poussoirs à portée de main. Et c'est parti. Ah non, c'est pas parti.
Eh oui, il y a une chose que je vous ai dit la dernière fois et qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qui est le plus important? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Allez, 1, 2, c'est fini. C'est quoi? Bah, les signes d'établissement. Il faut définir dans quel sens je vais faire mon petit projet. Ici, c'est une mini-porte qu'on va faire, une mini-porte pour aller sous la ponceuse. Et donc, bah, il faut que je définisse dans quel sens ça va aller, comme par exemple, comme ça. Ça me va très bien. Et pourquoi est-ce qu'on met les signes d'établissement? Parce que les signes d'établissement, on les met sur le parement. Le parement, c'est la face visible, la face la plus jolie qui sera face à vous. Donc, je décide de faire mes signes d'établissement. Et là, je sais maintenant dans quel sens va ma porte. Et je sais quelle face est le parement. Et comme je vous ai déjà dit la dernière fois, le parement va toujours sur la table. Et on n'oublie pas de vérifier, de tout nettoyer pour pas qu'il y ait de copeaux ici et pour pas que ça vienne dérégler, on va dire, notre usinage pour qu'il soit bien fait au bon endroit. Maintenant, avant de toucher à mon outil, la chose la plus importante que je dois faire, c'est couper ici et je rajoute un arrêt d'urgence. J'ai double sécurité. Mon arrêt d'urgence empêche de toute façon la machine de redémarrer. Et en plus de ça, j'ai coupé le général sur la machine. Donc là, je suis tranquille et je peux maintenant intervenir dessus. Maintenant que ma machine est éteinte, je peux modifier mon fer. C'est la mise en pratique de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je retire, ça c'est la bague obligatoire qui a le fraisage ici pour mon écrou de blocage. Donc celui-ci, je suis obligé de le mettre dessus. Et il me reste juste à sortir mon porte-outil, à prendre mes 5 bagues, donc les 3 grosses et les 2 petites de tout à l'heure, à mettre mon porte-outil. Je remets ensuite les 5 bagues par-dessus pour toujours avoir la même hauteur au niveau du blocage. Là, j'ai plus qu'à resserrer et je sais que le contre-profil du profil que je viens d'exécuter, donc son opposé, sera à la bonne hauteur. Ah, tout ça, c'est obligatoire, sauf si je me suis trompé dans les mesures, que ce n'était pas précisément 19 mm, mais j'ai vérifié et normalement ça va coller. J'espère. Ça va le faire. Donc là, il faut que je puisse usiner les extrémités. Mais pour usiner les extrémités, eh bien, il faut que je sache à quelle longueur je dois couper ces bois, puisque là, ils sont trop longs pour l'instant. Donc, je dois faire la mise à longueur. Je vous explique tout parce que c'est une étape que j'ai un peu zappée dans le premier volet. On m'a posé la question dans les commentaires. J'ai répondu aux personnes qui me l'avaient posée. Mais je vais quand même bien vous l'expliquer ici. Alors, je vous l'explique en détail, puisque c'est vrai que dans le premier volet, je ne l'ai pas expliqué en détail. Vous avez votre cadre de porte qui va venir ici, là, hein, qui fait le contour de votre porte. Merde. Oula, oula, je suis très large. Et donc ça, c'est la porte que vous devez réaliser avec, en 1, le montant, enfin, les montants, puisqu'il y en a 2, et en 2, les traverses. Maintenant, vous connaissez votre largeur totale ici. Alors, pour moi, c'est... Ouais, c'est pas à l'échelle, hein. Tant pis. 425. Et ici, 378. Bon, cette mesure-là, on n'en a pas vraiment besoin. C'est à la fin, au moment du collage, pour savoir où positionner mes traverses.
Ensuite, je dois prendre une cote sur mes bois, ici, qui est la largeur avec la moulure, enfin avec le profil qu'on vient d'usiner. J'ai 62 mm. Tous mes bois sont identiques, ils faisaient tous la même largeur. Je les ai passés une seule fois dans la machine, donc un usinage, on a retiré la même matière pour chaque morceau, ce qui fait qu'ils sont tous identiques au niveau largeur. Ils font 62 mm de large ici. 62. Et comme on a deux montants, donc c'est 62 x 2, 425, notre largeur totale, moins 62 x 2, c'est égal à 301. Mais c'est pas fini. 301, eh ben, c'est pas vraiment la longueur qu'il nous faut. Il nous faut plus que ça. Parce que ici, dans les 62 mm, il y a la partie profil contre profil et nos traverses en bas et en haut. Eh bien, elles vont rentrer dans nos montants. Puisqu'elles vont venir s'emboîter par-dessus ici. Elles vont venir s'emboîter comme ça. Donc en réalité, nos traverses elles viennent ici. Et pour savoir eh bien, quelle longueur on doit rajouter, eh bien, il suffit de mesurer ce qui est usiné. Et là, on a en usinage 14 mm. Donc il faut faire 301 plus 2 x 14, puisqu'il y a 14 mm ici, plus 14 mm là de moulure, ça fait 28. C'est égal à 329 mm. Et ça, c'est la longueur totale de nos traverses qui vont venir ici. Donc il ne me reste plus qu'à couper les deux à 329 mm et à régler pour faire mon usinage correctement. Donc 329 mm, c'est notre longueur totale pour nos traverses. J'espère que ça est assez clair. Attention à ne pas trop manger de bois, parce que ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez mettre votre bois un peu trop à l'intérieur, manger 1 mm de plus, et dans ce cas-là, ça va retirer 1 mm sur toute la longueur de votre pièce. Il faut absolument bien ajuster votre fer. Quoi qu'il en soit, là c'est pour une vidéo de démonstration, donc je dis que je vais faire une porte, d'ailleurs je vais peut-être la faire quand même si j'ai que 4 pièces, il faut toujours prévoir plusieurs pièces, donc au moins une ou deux pièces d'essai, pour passer vos bois dedans et pour voir si vous allez tomber juste, savoir si vous êtes bien réglé. Voilà, il faut contrôler. C'est vraiment très important. Si vous avez un doute, que vous ne savez pas au niveau de vos mesures, eh bien, vous prenez des pièces d'essai, vous allez réaliser un usinage, et puis vous testez, vous mesurez directement. Il n'y a pas mieux que d'essayer. C'est pas compliqué, en fait. Les outils de toupie ne sont pas compliqués. Si vous mettez toutes les protections, c'est pas dangereux. Alors, ça reste très dangereux. D'ailleurs, j'ai oublié une chose. Je pense que certains l'ont remarqué. Depuis le Covid, j'ai perdu beaucoup de poids. On a dû changer la bague. Et avant, je la retirais facilement. Maintenant, c'est la galère. Allez, il faut retirer vos bagues. Ah ! Il faut retirer vos bagues. C'est extrêmement important. Là, je ne l'ai pas fait et c'est pas bien. Mais alors, vraiment pas bien du tout. Parce que si l'outil attrape ça, surtout que là, vous avez vu, elle était serrée sur le doigt. Eh bien, si ça l'attrape, ça arrache la bague et ça arrache tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est vrai que ça arrache tout. J'avais déjà mis tout ça dans le premier volet. Allez le voir, ça vous fera une bonne piqûre de rappel si vous vous en souvenez plus. Donc ça, surtout, on retire tout ce qui est bijoux. Pas de vêtements amples. Je le répète, je l'ai déjà dit, pas de vêtements amples. Si les cheveux sont longs, on les attache. S'il y a des lacets, on les retire. Pas de pull qui est trois fois trop grand et qui pourrait se prendre dans la machine. Et surtout, le plus important, c'est les poussoirs. Vous l'avez vu dans les images précédentes, vous ne le reverrez pas après, puisque là on va usiner les bois de boue, donc ce sera avec le chariot. Il faudra surtout bien presser vos pièces, mais quand vous allez usiner longitudinalement, comme ici, eh bien vous avez vu que mes mains étaient avant l'outil, que j'ai poussé, ensuite j'ai mis le poussoir, et je suis venu pousser avec le poussoir. J'ai appuyé en sortie, mais je n'avais pas besoin, puisque le presseur fonctionnait déjà très bien. Mais de toute façon, si ma main revenait en arrière, je me serais peut-être casser quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me faire de fractures, mais ça n'empêche que ma main n'aurait pas pu atteindre le puits de la machine. Et si vous utilisez des poussoirs, vous êtes tranquille,
il ne peut rien vous arriver. Ah si, il y a un autre danger. C'est celui-là. Vous usinez, pour ceux qui ont des petites toupies, là c'est absolument pas possible sur une grosse machine comme ça, à moins de le faire exprès en travaillant comme ça, mais c'est pas possible. Pour ceux qui ont des petites toupies, il existe des toupies avec des tables très courtes, sans forcément avoir de chariot devant, ou vous pouvez vraiment avoir la toupie ici et être là. Eh bien, si vous avez votre toupie proche et que vous êtes ici, c'est dangereux. On ne se met jamais dans l'alignement, alors que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre qui passera à l'atelier, on ne met jamais personne dans l'axe du bois qui est en train d'être travaillé. Simplement parce que s'il y a un rejet, que vous tenez mal votre pièce, que votre poussoir, venait qu'à glisser ou quoi que ce soit, si le fer mord trop fort dans votre bois, il va le rejeter en arrière. Et la toupie peut renvoyer des bois extrêmement vite. Et c'est très dangereux. Voilà. Donc, jamais dans l'axe du bois. Mais c'est valable pour tout. Hein. Quand on travaille à la scie circulaire, cette zone-là, là, on n'y passe jamais la main. Il y en a qui le font, c'est absolument interdit. Vous avez des poussoirs, vous utilisez des poussoirs. Si votre bois se coince entre la lame et le guide, la main, elle peut partir. Et même certains avec des presseurs, j'en ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook, qui se sont fait mordre un petit peu la peau parce qu'ils ont mis la main de ce côté-là. On prend des grands poussoirs et on pousse. Voilà. Simplement, mais on ne reste jamais dans cet alignement. On va toujours travailler de côté. C'est valable pour la toupie, c'est valable pour la scie. Allez, on va faire la mise à longueur de mes traverses et ensuite on passera à l'usinage puisque là, on vient de modifier notre fer. Et là, on va avoir pile poil l'opposé. Donc, mes protections sont mises juste pour m'empêcher d'accéder au puits. Alors effectivement, on part en bas, mais en bas, il y aura mon bois. Donc là, avec mon pare-éclat, hop, je viens verrouiller comme ça et mon bois ne peut pas bouger. Si vous avez un doute avec votre presseur, vous rajoutez un serre-joint solidement fixé. Et vous êtes sûr que votre pièce ne pourra pas aller dans le puits parce que le fer va avoir tendance à emmener votre bois dans le puits. Et bien, c'est parti. Alors oui, celui-ci, je m'en étais servi que une ou deux fois, il y a un petit moment de ça. Et je ne me souvenais plus que mon fer n'était pas symétrique. Donc je n'ai pas pu, heureusement je l'ai vu avant de faire une bêtise, c'est-à-dire que mon premier passage était comme ça avec le parement sur la table. Et si je l'avais retourné dans l'autre sens, eh bien ça n'aurait pas collé. Donc j'ai été obligé de garder le parement sur la table et de le tourner comme ça. Par contre ici, on est un peu dans le vide. Mais au final, je m'aperçois que c'est tout aussi propre que de l'autre côté. Bon, vous allez voir, il y a des parties qui ne sont pas coupées, qu'il faut finir au ciseau à bois. Alors ça, c'est le côté sans pare-éclat. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que bien sûr, il faut repasser comme pour le gros profil contre profil au milieu, là, pour retirer ça. Voilà, il me reste ces petites bavures là à retirer pour que ce soit propre. Voilà, là aussi j'ai suivi l'arête et ma foi c'est bon. Là c'est propre. Maintenant de l'autre côté où j'avais pas le pare-éclat en contact partout. Et bien en fait ça a fait la même chose mais avec un tout petit peu plus d'arrachement. Quand j'ai un passé mon ciseau,
Eh bien, je m'aperçois que ça fonctionne aussi. Bon, faut dire que j'ai affûté mes fers juste avant pour être sûr. Mais même comme ça, c'est pas la meilleure qualité du monde quand même, hein. Et peut-être que j'aurais dû insister un peu plus sur l'affûtage. Et en plus de ça, on est dans une partie très très délicate. Non, la face avant, ça ira. La face arrière, c'est autre chose. Maintenant, on va tester, surtout voir si ça s'emboîte parfaitement. Donc, mon parement est ici, et moi, mon parement est là. Donc, je vais le mettre du même côté. Le parement ici, et là aussi. Et là, si j'assemble les deux, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, ma foi, c'est pas mal du tout. Bon, là, il y a un peu d'arrachement, mais ça, c'était le bois en lui-même qui était déjà abîmé. Bon, vous avez compris que ce panneau n'est pas vraiment de la bonne taille, hein. Et ça, on s'en fiche, c'est juste pour l'exercice. Donc je vais nettoyer ici aussi. Alors, je fais toujours comme ça. Je ne recoupe jamais mes montants tout de suite. Je vais coller en vérifiant bien mes diagonales pour être sûr que ce soit bien mis et que ce soit pas en exagérant de travers comme ça. Qu'ici, ce soit bien à 90 ici. Et une fois que c'est fait, je viens recouper ici, pile poil, aux bonnes dimensions. En général, je prends entre le dessous et le dessus 1 mm de plus, 1 ou 2 mm de plus. Et quand je viens recouper ma porte, je viens recouper sur toute la longueur. Comme ça, je suis sûr que mes montants ici, alors même si c'est normalement dans l'autre sens, comme ça, je suis sûr que mes montants et ma traverse qui est là sont au même niveau sur les extrémités. Bon, j'ai fait une coupe de l'assemblage. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, on le voit bien avec le bois de boue ici et le bois de fil là. Donc, on voit bien notre assemblage entre notre premier profil et notre contre-profil. On voit bien ici la limite. Ce qu'on peut voir aussi, et c'est là où le fait de mettre le parement sur la table est extrêmement important, c'est que mon profil contre-profil n'est pas symétrique. Ici, on a une plus petite largeur qu'ici. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le parement sur la table. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit quand même, puisque sur le gros profil contre profil, je vous remets la vidéo dans le petit i, sur le gros profil contre profil, mon assemblage était symétrique. Donc effectivement, si je suis réglé bien au centre, même si j'explique sur la vidéo que si on n'est pas centré, c'est pas grave si on garde le parement en permanence sur la table. Si vous inversez une pièce et que vous avez bien centré votre profil, ça va fonctionner quand même. Ici, ce n'est pas le cas, puisque je viens de vous montrer en gros plan que mon profil et mon contre-profil ne sont pas tout à fait symétriques. Que un des côtés est plus fin que l'autre. Ça veut dire qu'il va... C'est extrêmement important, on fait les signes d'établissement sur le parement. Le parement, je vous dis, c'est la face visible. Les deux faces sont visibles si on ouvre une porte, sauf sur des portes coulissantes comme celle-ci. Mais le parement, c'est la face qui sera face à nous la plus jolie, celle qu'on souhaite la plus jolie. Voilà. Et c'est celle qu'on met toujours sur la table de notre toupie. Là, pour moi, mon parement, eh bien, c'est cette façade-là et non pas celle de derrière qui en plus a des nœuds. C'est pour ça que mon parement est ici, ma face la plus jolie. Je vais la fixer, je lui mettrai des charnières, je vous mettrai ça en fin de vidéo. L'avantage de ce profil contre profil, eh bien, donc effectivement, ça nous fait une petite moulure sur l'intérieur du cadre. Mais en plus de ça, c'est que ça a tendance à augmenter fortement notre surface de collage et donc sa résistance mécanique. En plus de ça, on va avoir une petite moulure, comme je viens de le dire, à l'intérieur du cadre, et ça va nous faire la rainure qui va permettre d'incorporer notre panneau à notre porte, comme ici avec le contreplaqué. Cet assemblage profil contre profil est pour moi tout aussi simple que l'autre qui avait des fers
séparés, où là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à bouger nos bacs de copiage, on sort notre porte-outil, on change les fers, on repose, c'est fait. Ici, eh bien, c'est simple. Une fois qu'on a mesuré, pas calculé, mais mesuré la distance entre les deux profils, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, eh bien, on a juste à jouer avec les cales d'épaisseur. Un coup et son dessous, un coup et son dessus. Ça reste tout aussi simple. On n'a pas besoin de bouger notre volant pour re-régler notre machine. Et vous verrez que ça fonctionne de la même manière avec les autres profils contre profils pour de l'enture, par exemple, au niveau du collage. Donc, peu importe que vous ayez du Dancy ou d'autres profils, mais ça, on les verra dans une autre vidéo, il s'agit juste de bouger des bagues de calage. Et c'est juste en bougeant, en incorporant soit dessous, soit dessus ces bagues de calage, eh bien qu'on règle notre machine. Donc, au final, c'est très simple. La chose la plus importante, je leur dis, eh bien, c'est la sécurité. On travaille toujours avec les presseurs qui sont fournis avec la machine, avec les accessoires, donc les poussoirs, etc. Les EPI, donc les protections auditives, etc., etc. Pas de cheveux détachés s'ils sont longs, on les attache, pas de vêtements amples. Voilà. Vous suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec votre machine aussi, notamment au niveau de la vitesse. Puisque chaque porte-outil, comme ici, a bien une vitesse de rotation optimale. Et donc ça, il faut vous référer à votre porte-outil et aux valeurs qui sont notées sur votre machine. Je vous mets une petite photo du tableau, par exemple, sur la mienne. Mais ça, il faut vous référer à votre machine parce que chaque réglage est différent en fonction des machines que vous avez et de ses possibilités. Du moins, ces possibilités de réglage. Bon, et bien voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Et je tenais à vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, si vous me suivez et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas, même si vous l'êtes déjà, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui devrait maintenant sortir à intervalles réguliers. J'espère que ce second volet vous aura plu, puisque vous aviez bien apprécié le premier volet. J'espère que celui-ci vous aura au moins autant intéressé, et on se retrouvera pour d'autres volets sur les outils de toupie avec les plates-bandes, des entures multiples, etc., etc. Et je tenais à vous annoncer que dès la semaine prochaine sortira normalement la vidéo du concours pour les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, et surtout, même si vous êtes déjà abonné mais que vous ne l'avez pas encore fait, à activer la petite cloche. Parce qu'il faudra peut-être être assez réactif. Enfin, on verra ça. Je ne sais pas encore comment je vais tout organiser. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !